Yo les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo Dragon Ball Z Dokkan Battle. Oui, je fais toujours ça. Ouais. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On s'en fiche, je vais faire une vidéo car sur un live, je sais pas si vous l'avez loupé, mais par hasard, j'ai chopé en une single Super C17. C'est quoi le rapport avec le fait que je vais faire son événement? Aucune idée. D'ailleurs, dites-moi si vous trouvez que c'est rentable de lui donner les vieux caillots ou si j'attends de choper 10 fois les cartes SR que je pourrais passer en SSR, les cartes C17 que je pourrais passer du coup en Super C17 pour le donner à farm à ce Super C17 pour qu'il passe Pélisse, vu que c'est une carte, c'est pas non plus le meilleur Neo God tier du jeu, on va dire ça comme ça. Heureux, enfin par eux, c'est mon mot du futur qui vous parle. Oui, si vous, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé une vidéo par rapport à la vidéo J'ouvre vos snaps 4, je crois, oui. Et du coup, je suis pas contre, je suis même chaud pour le faire. N'hésitez pas du coup à m'envoyer plein de snaps soit des snaps par rapport à Dokkan, des invocations, soit des snaps par rapport à des analyses de box. Ça me ferait archi plaisir de le faire pour vous dans les 2 jours à venir. Du coup, n'hésitez pas à le faire. Du coup, maintenant, mon mode de futur va disparaître. Car ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur Dokkan. Et en plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué vraiment avec ma team super. J'ai dit de la merde. Avec ma team extrême. Une seconde. Car j'ai remarqué déjà, ça fait trop longtemps, j'utilise trop rarement ma team extrême car j'ai l'habitude d'utiliser ma team super. Et j'ai remarqué qu'il y a pas mal d'eux qui utilisent, comment on dit ça, les attaques pas de distance. Vous voyez qu'on sur l'attaque spéciale, il n'y a pas le petit icône bleu, ça veut dire que tu fais pas des attaques de distance, on va dire, des attaques de ki, même si c'est pas totalement correct. Et c'est ce qui me permet de faire des dégâts à Super Saiyan 7. Et oh, sans lui donner de l'absorption quand il a plus de barrière, on va dire ça comme ça. Désolé, ça fait longtemps. J'ai galé un peu, hein. Mais hop, punaise, je me suis enlevé. Bon, du coup, je suis un peu en retard, mais le premier tour, ça va être contre 4,5. Ça va être assez facile. Le deuxième tour, c'est assez facile aussi. Mais le troisième tour, c'est le moment du coup où faut éviter, quand il a plus de barrière, je crois, faut éviter de l'attaquer. Il passe en mode absorption et il faut éviter d'attaquer avec des attaques de ki. Genre par exemple, si je l'attaque avec Vegeta SSJ4, bah je vais lui redonner de la vie et beaucoup de vie vu que mon Vegeta SSJ4 il est à 100%. Et du coup, j'ai pris ma team extrême qui fait pas mal de dégâts en vrai. On va dire de coups de poing, même si c'est pas totalement vrai. C'est difficile à expliquer ce combat quand même. Ah. Celui-là est mauvais, il était où le bon? Et on est perdu à nouveau. Oh, est-ce que c'est toi le bon? Ouais, c'est toi, c'est bien ça. Viens ici. Oh bah du coup on y va. Sinon je vais vous dire aussi un truc que j'ai déjà dit dans les lives, dans les vidéos Dark Souls, mais vu que maintenant c'est une vidéo Dokkan, c'est bien de l'annoncer. Ce vendredi à 19h normalement, en moyenne on va dire, il y aura une vidéo, il y aura un live où je vais faire un giveaway de 100 à 150 euros de cartes Google Play pour dépenser ça soit en DS, soit dans ce que vous voulez sur Google. Du coup n'hésitez pas si ça vous intéresse d'être là vendredi quoi. C'est ma sorte de façon, c'est ma façon de dire, désolé ça fait un mois je suis pas actif, excusez-moi, on va dire ça comme ça. Bon. Et oui, du coup, oui, aussi, je suis à la ramasse sur Dokkan Battle. J'ai pas pu faire le Goku LR, le Goku Junior, je l'ai pas encore fait. J'ai pas invoqué pour le couleur, mais du coup, j'ai eu le Super C17. Avec votre chance, les mecs. Mais bon, oui, je suis un peu à la ramasse. Mais je me remets lentement, mais sûrement. Mais je vous dis tout de suite, sur la chaîne, il y aura pas que du Dokkan Battle. J'imagine que vous l'avez deviné. En tout cas, j'espère que vous l'avez deviné. Alors. Et en vrai, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué avec ma team extrême. C'est bien les team extrêmes. En vrai, elle est pas mal la mienne. Le Gatai, il est avec 2 doublons, je crois. SP10. Broly, SP20 avec 1 doublon. Rosé avec 2 doublons, SP10. Le Golden Tech, il est SP10 avec tous les doublons. Mais je l'ai pas maxé encore. Omega Shenron, SP10. Mais après, je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Goku Black, SP10. Arbre débloqué et pas maxé encore. En vrai, il doit faire mal. Hein. Bon, je vais mettre ça comme ça. Bim. Est-ce qu'il part? Oh, il part en SP. Bah, normalement, j'aurais rasé la première phase. Là. Normalement. On verra de toute façon. Comme d'hab, Crystalline, sponsor, vous connaissez. C'est pas vrai. Mais j'aimerais bien, genre.
Et allez, ils sont tous morts. Et des millions 5. Ah, il fait pas des millions par contre quand il tape pas. Ah, il avait pas tué tout le monde. Mais il a une deuxième attaque, Broly LR. Voilà. Eh, il est mort. Il est mort. Eh, je risque de finir ce combat archi vite en vrai. Bon. En métier pour conquer en vrai. Rosé, va comprendre. Tout le monde, en même temps avec le passif de Rosé et le passif de Goku Black, c'est normal que tout le monde vend l'attaque SP. On a littéralement qui plus 3, plus 1, du coup qui plus 4. Plus, ouais. De Goku Black donc qui plus 3 pour le tour. Et Goku Rosé et Black Rosé donc qui plus 3 aussi. Donc on a qui plus 6, hors les attitudes leader. Hors les liens. C'est un peu le bordel quand même. Hein. En vrai la team extrême elle est pétée en vrai. Mais je sais même pas pourquoi je joue jamais. Ouh le petit million de Rosé. Ouh la petite taxe supplémentaire. Ouh le Goku Black qui va aussi faire. Ah oui j'ai oublié que celui-là c'est un hacker. Ok bah tout le monde fait des attaques supplémentaires, c'est la fête hein. Aïe. Aïe j'ai dit. Ne me tue pas s'il te plaît. 13 000 dégâts. C'est mignon. Alors. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires. Mais je trouve que ça se barre un peu en couille dans Camp Battle. Je comprends plus les portails, comment ils fonctionnent. Genre là, le prochain portail, ça va être lequel? Quelqu'un veut bien me dire ou me proposer ou essayer de me faire deviner. Je sais pas. Ou on va y aller comme ça, je crois. Ouais, comme ça. Ça. Oui, comme ça. Et bim. On va faire combien de dégâts en vrai? Car Broly il fait des attaques Et là en vrai les trois font des... Oh par contre il me fait trop de dégâts. Est-ce que j'ai fait une faute à pas me soigner? Ça se peut et je vais le regretter. Si je bouge trop c'est que j'ai envie de pisser. Quoi? Ça arrive, je bois de l'eau tout le temps. C'est pas une faute. Ok. Et allô. Eh, hey, une galère à faire tomber sa... Oh, est-ce que j'ai lu quelque chose de faux par rapport à faire tomber sa barrière? Je suis à la ramasse dans Camp Battle, c'est un délire. Mais là, sa barrière bouge même pas, c'est stressant. Ah, peut-être qu'il faut faire des dégâts genre spéciaux pour la barrière et puis... Oh, attends, il faut pas me tuer quand même. Non, non. Golden Tech, normalement, il est tank. Ça va, tranquille. Bon, je vais me soigner quand même. Bon, vu qu'il y a toujours la barrière, je vais mettre Goku Black en premier. Ouais, ça va. Mais s'il va prendre tarif en vrai. En vrai, oh. Bon, peut-être qu'il va nuquer un petit peu. C'est vrai que Goku Black, il nuque. Je rêve pas quand même. Oui, il nuque. Enfin, il nuque. Il augmente ses dégâts, on va dire ça comme ça. Bim. Et bim. Défoncez-moi cet ennemi, s'il vous plaît. Selon vous, vous pensez quoi de la team Extrême Magie en vrai? Car je sais bien que c'est pas la team la plus populaire, la plus forte, mais... Enfin, moi j'ai pas encore les Android LR et j'ai pas encore le Majin Vegeta LR. Mais si tu les as, y'a pas moyen genre que ça soit une très bonne team? Ou une team assez bien quoi? Ouais bon, niveau barrière, je galère un peu. Hein. Oh. Après, même s'il a une barrière, il prend tarif en vrai, il prend un tarif. Il prend des dégâts. Est-ce qu'il va se faire tomber sa barrière un jour? Attends, je vais faire ça comment là? Admettons. On va activer un Icarus. Et une potion, comme ça on est sûr à 100% qu'il va pas nous tuer. J'ai pas envie de mourir, mais vraiment pas en fait. C'est moche tout ça. Allez. Mets-toi bien. Ouh, il était à 2. Attends. Dommage. C'est dommage tout ça. Bim. Bim, boum, bam. Ah, punaise. Sinon, pour ceux qui me demandent, c'est quand que je ferai des vidéos avec d'autres youtubeurs. C'est juste que je re-attends que ma chaîne se relance bien, on va dire. Que je recommence à faire des vues, que ma chaîne soit réactive pour demander à d'autres youtubeurs si ils veulent bien faire des vidéos ensemble. Car si je le fais maintenant, ça fait trop le mec qui a sa chaîne qui est plus actif et du coup qui passe son temps à gratter en mode hey, je peux faire des vidéos avec vous, s'il vous plaît. Des vues, s'il vous plaît. J'en ai besoin. J'ai fait un déménagement, il y a plus d'argent pour faire des DS, faut faire des vues, hein. Quoi?
La question est, est-ce que je vais finir ce match avant de devoir aller pisser? C'est une très très bonne question quand même. Hein. Alors. Ah oui, on a enfin fini sa barrière. Punaise, il aura pris son temps. Hein. Par contre là, on a Goku Black qui va lui donner de la vie, c'est un peu chiant. Enfin, je peux éviter. Ouais, je peux éviter. Là, par contre, c'est dégueulasse quand même. Forcément, j'ai pas de lien. Allez, admettons, on va y aller comme ça. Oui. Allez, comme ça. Et toi, tu pars pas en SP, nickel. Enfin, c'est pas trop nickel car j'aurais préféré faire une attaque SP avec Golden. Mais c'est mieux que rien. Il fait 112 dégâts, c'est mignon. Allez, défonce, défonce, défonce le bien comme il faut. Ouh, le 600 000 dégâts qui fait plaisir. Eh, hey, ils auraient l'autre. Non mais. Goku Black, t'es sérieux là? T'es sérieux? C'est le schlag de Goku Black. Genre, je vais faire une attaque supplémentaire pour lui donner de la vie. Bon, là, normalement, il va tomber HS quand même. Hein. Normalement. Allez, on va y aller comme ça. Ouais, normalement, là, il est mort. Ah, par contre, il tape sur de la J. Je sais pas, on verra. On verra si il va mourir. Sinon les mecs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je l'ai fait en combien de temps car j'ai pas chronométré. J'étais pas au petit... Oh, il est mort. Ok, le petit critique qui fait plaisir. Hein. Ah, mon brûlé à l'air avec un doublon. C'est archi stylé en vrai. Ouh, demi-mission accomplie. La quête est finie. Un nouveau record. Mais j'ai fait... Ah oui, mais en même temps, j'ai oublié que le temps est affiché. Mais du coup, je l'ai fait en 8 minutes. Je suis sûr que je peux le faire en 4. Si je force. Si je force. Hein. On verra ça en live si vous voulez, les mecs. Genre demain, pourquoi pas. Demain, en sachant qu'aujourd'hui, là, il est 1h du matin. Et du coup, c'est... 1h du matin, du coup, c'est quoi? C'est mercredi. Donc, aujourd'hui, peut-être en live. Pour essayer... Bon, sinon, maintenant qu'on a fini le combat, faudra. Attends, déjà, faudra le faire combien de fois ce truc? Médaille d'éveil, médaille d'éveil. Super C 17. 17. Attends, donc je l'ai fait 7, 14. Donc je dois le faire encore 9 fois pour réveiller mon Super C 17. Car même si c'est pas la carte qui m'intéresse le plus, je l'ai. Faut quand même le veiller. En vrai, la carte est pas mal. Le personnage, il y en a pas trop dans le jeu. Donc, honnêtement, j'apprécie de l'avoir chopé facilement. Même si je sais bien que vu que je l'ai chopé facilement cette fois. La fois où je voudrais une carte du genre Jan Mba Puissance, je vais galérer comme pas possible. Notez mes mots les mecs, hein. Notez-les. Il est là, il est archi beau. Et du coup, on est d'accord, je vais pas balancer des vieux cailloux pour le passer speedy, ça sert à rien. Après, si vous trouvez que ça sert à quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à être là vendredi à max pour le giveaway. Ça pourra vous faire des DS pour les portails, les doubles portails Gogeta, Intelligence et Jan Mba Puissance qui arrivent dans pas très 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 longtemps en vrai. Moi je dirais ils vont arriver dans un mois et demi, allez. Et sur ce, moi je vous dis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Sinon, lâchez un petit like, un commentaire, un partage, le tralala basique. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain live. Je suis lent, je suis fatigué, mais c'est la vie, on reprend les rênes comme on dit. Lentement mais sûrement, et tchuss.